Peut-être, j'en sais rien, ou à 13-14 heures. Nous verrons. Laissez-moi rentrer, je vous en prie. Alors à un moment, ça devient embarrassant. Au niveau donc de la question du musée juif, si je peux ainsi m'exprimer, là, M. Nemouche est inculpé officiellement, c'est-à-dire qu'il est considéré comme étant mis officiellement en accusation. Je vous dis, il n'y a pas de preuve de sa présence directement sur place. Chez vous, pour réagir au journal parlé sur ce genre de pitrerie et d'exemple. Sur la question des otages journalistes en Syrie, nous n'avons reçu aucune inculpation. Apparemment, les uns et les autres préfèrent se répandre en accusation devant les caméras de télévision plutôt que de venir inculper M. Nemouche. Pourquoi ? Nous avons demandé que ce dossier soit joint au dossier belge, car nous n'avons rien à cacher. Alors on verra bien si ce sera accepté, oui ou non. Voilà, j'ai dit je vous remercie, plus je ne souhaite pas dire, pour tous ceux qui auraient des réponses. Lui, il est très combatif. Dans, à la prison, il travaille avec ses avocats, à sa défense, et il n'est nullement décontenancé par les accusations qu'on lance à son encontre. Et je le redis, et je le redirai 100 fois s'il le faut, on viendra s'expliquer devant la cour d'assises. Voilà. Alors qu'on a à peine commencé à travailler. Voilà, excusez-moi.